La notion d'espèce. Les individus d'une même espèce présentent des caractères communs spécifiques de l'espèce. Ils ont tous en commun leur génome, ils possèdent tous les mêmes chromosomes porteurs des mêmes gènes. Par contre, pour chaque gène, il existe des variants, des allèles, qui vont être à l'origine de la variabilité intraspécifique. L'apparition de nouveaux allèles dépend des modifications aléatoires de la séquence de nucléotides des gènes, que l'on appelle les mutations. Ils possèdent donc des génotypes différents et donc des phénotypes différents. Une population désigne un ensemble d'individus d'une même espèce, génétiquement différents, c'est-à-dire ne possédant pas les mêmes combinaisons d'allèles, vivant dans une aire géographique suffisamment restreinte pour permettre potentiellement à tout membre du groupe de se reproduire avec tout autre membre du groupe. Les individus adultes d'une espèce sont diploïdes et produisent, lors de la méiose, des gamètes haploïdes, spermatozoïdes et ovules. Lors de la fécondation, la diploïdie est rétablie dans la cellule œuf, qui se divise ensuite par des mitoses successives. Toutes les cellules d'un même individu sont donc strictement identiques au niveau génétique entre elles. Il y a donc alternance de phases diploïdes et haploïdes lors du cycle de développement, ce qui est à l'origine à la fois du maintien du karyotype au sein d'une espèce tout en assurant la variété des individus. La dérive génétique est une modification aléatoire de la diversité des allèles en relation avec la reproduction sexuée. Chaque allèle est caractérisé par sa fréquence, nombre de fois où il apparaît dans une population, qui varie d'une population à l'autre. Si l'on suit dans différentes populations d'une même espèce la fréquence d'allèles ne subissant aucune pression de sélection, qui ne confère ni avantage ni inconvénient au cours des générations, on constate que cette fréquence varie peu au sein d'une population nombreuse. La dérive génétique s'exerce plus facilement sur une petite population. Cette situation menant à la réduction de l'effectif d'une population est appelée effet fondateur. Certains individus, isolés de leur population initiale, s'implantent dans un nouveau territoire et forment une population dont le patrimoine génétique n'est pas représentatif de la population initiale. C'est ainsi que la répartition des groupes sanguins, signifiée ici sur ce document, permet de retracer les migrations de l'espèce humaine. La sélection naturelle, c'est le principe proposé par Charles Darwin en 1859. La sélection naturelle est le phénomène par lequel certains caractères héréditaires favorables à la survie et à la reproduction de l'espèce sont préférentiellement transmis de génération en génération. Du fait de certaines conditions du milieu, certains individus laissent plus de descendants que d'autres, ils atteignent la maturité sexuelle et se reproduisent davantage. La sélection naturelle est un mécanisme de tri des individus par l'environnement. Voyons le cas de la drépanocytose, une maladie génétique fréquente en Afrique. Chez un individu hétérozygote possédant de l'hémoglobine S et de l'hémoglobine A, les molécules d'hémoglobine en présence d'oxygène se repoussent et les globules rouges conservent leur forme en disque biconcave et peuvent ainsi circuler dans les capillaires sanguins. Lors d'un effort musculaire, la quantité d'oxygène diminue. Les molécules d'hémoglobine S s'accrochent entre elles pour former des fibres, ce qui déforme les globules rouges, leur donnant une forme en croissant. Ces globules rouges perdent alors leur capacité à se déformer pour circuler dans les capillaires sanguins, ce qui est à l'origine de crises douloureuses voire mortelles. Ce phénomène est réversible. Étonnamment, le pourcentage d'individus hétérozygotes pour la drépanocytose peut atteindre plus de 25% dans les zones en noir de la population de certaines régions d'Afrique. On s'aperçoit que la répartition géographique de la persistance d'individus hétérozygotes pour la drépanocytose est calquée sur la répartition du paludisme, une maladie parasitaire transmise par les moustiques. En effet, le parasite responsable du paludisme ne peut pas se reproduire dans les globules rouges des individus hétérozygotes. Ainsi, une situation qui pourrait être défavorable devient favorable pour l'individu hétérozygote pour la drépanocytose. Mais la sélection naturelle dépend des conditions environnementales qui peuvent changer au cours du temps. Ainsi, la population d'Afrique ayant été amenée en Amérique où il n'y a pas de paludisme a vu la proportion des individus hétérozygotes pour la drépanocytose diminuer. Ces changements de l'environnement ne sont pas prévisibles. La sélection naturelle conduit à une modification de la diversité génétique des populations. Voyons en bilan la notion d'espèce au cours du temps.
Une espèce est formée d'individus semblables mais variés qui se reproduisent entre eux, soumis à l'apparition de nouveaux allèles. L'émergence ou la disparition d'un allèle se fait de manière aléatoire. Pour des causes variées, une espèce ancestrale peut se retrouver fragmentée en plusieurs sous-ensembles qui évoluent indépendamment les uns des autres. C'est la radiation évolutive. On parle aussi de spéciation avec isolement géographique ou spéciation allopatrique. La spéciation sans isolement géographique ou sympatrique se fait par apparition d'une nouvelle espèce sur une aire de répartition chevauchante avec celle de l'espèce d'origine. Ce type de spéciation suppose qu'une barrière intrinsèque à la reproduction, que l'on nomme isolement reproducteur, se met en place très rapidement puisque les deux groupes restent en contact. L'espèce d'origine peut donc coexister dans le temps ou dans l'espace avec une nouvelle espèce. De nouvelles espèces pourront à leur tour se former au cours du temps, voire dans certains cas des hybridations entre deux espèces différentes.